La chaleur intense d'une nuit d'été et un casque qui colle aussi. C'est un peu le résumé de cette soirée. Un casque qui colle. Rebonsoir messieurs. Nous avons deux personnes du voyage qui s'appellent Hydro et Giggs qui voudraient passer rapidement sur le Discord. Pourquoi deux gens du voyage? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Non, rien, c'est juste ils m'ont envoyé un message en disant on peut passer sur live. Mais ils sont infâmes. Incroyable. C'est tout, ils veulent me voler mes abonnés ou quoi? Les abonnés. Et heureusement que j'avais parmi la caméra, vous auriez vu quelque chose d'extrêmement choquant. D'ailleurs, un petit big up à ceux qui ont entendu le bruit du petit biscuit en scred pendant la pause. Ah non. Sur le live, il y avait le petit biscuit avec... oh là là! Superbe cet arrêt sur image! Faites des screens, abonnez-vous. Voilà, ça c'est la vraie vie. Voilà. Bon, effectivement, je vous ai envoyé, messieurs, quelque chose sur... J'ai vu qu'Andy avait répondu, pardon. C'est un petit message interne qui ne concerne que... Ouais, c'est évidemment pour l'organisation. Oui, bien sûr, c'est pour la tenue des lives. D'ailleurs, au passage, vous me voyez avec ce smartphone depuis quelques mois. On ne te voit pas. Je sais pas si... Alors, c'est bon, on te voit. J'ai rien dit, je me calme. Je m'en vais. Le mec a une latence, il n'en peut plus. Alors, au-delà de ce très très beau fond d'écran Stoffel Vandoorne que je revendique, bien évidemment, je voudrais vous parler d'un truc... Parce qu'on entend quand même des gens dans notre entourage qui disent « Oui, bon, BMW, c'est quand même mieux qu'Audi, c'est plus solide, c'est de la qualité, c'est pas le groupe Volkswagen. » Je suis allé à l'exposition des stands de BMW à Bruxelles. Alors attention, raconte ta vie, Maxou, on s'en bat les couilles, mais excusez-moi. Quand vous achetez une coque en cuir BMW, voilà, la coque en cuir BMW, 35 balles. Pardon, 35€. Et qu'au bout, alors l'exposition, vous pouvez vérifier. Donc c'était à l'Auto World à Bruxelles en Belgique, parce qu'à Bruxelles en Afrique il y a moins, mais à Bruxelles en Belgique. Et ça, comment vous expliquer voilà. Je pense que là, quand t'achètes ça à des mecs dans la rue le dimanche ou au marché aux puces, que ça a déjà fait 6 mois dans l'eau, tu vois, tu te dis bon pour 5 balles ça va. On a fait donc février, mars, avril, mai, juin, 5 mois. Et je suis pas mécano baroudeur, hein. Je suis youtubeur, donc j'ai pas de métier, lol. Mais regardez ça, le truc est noirci. C'est dégueulasse. Et là, on te dit, ah mais tiens, mets ton téléphone dedans très cher que tu as mis 6 mois à payer avec ton crédit. Tu dis, pas de problème, il va être protégé. Tu le poses sur ton lit. Il explose. Ça ne sert à rien. Donc là, sur le coup, BMW, c'est un peu gênant. Quoi. Ça, le truc s'effrite, quoi. Enfin, je sais que je suis belge, mais quand même, ça s'effrite. Bon. C'est en tant qu'ancien réparateur de téléphone. Oui, d'ailleurs, j'ai une amie qui m'a expliqué calmement que je salue parce qu'elle ne regarde pas ce live. Mais Camille m'a quand même fait... Je me suis couché, je me suis réveillé, mon téléphone était fissuré au niveau de l'écran. Oh. Et visiblement, c'était dû à la chaleur parce qu'en Belgique, les smartphones ne supportent pas plus de 14 degrés, évidemment. Donc voilà, donc le salt est présent, hein, évidemment, salty time. Oh là là, alors j'ai reçu un don. 71 balles. Pas... Ah mais... Pardon, je revois le ticket. De Vivien, le dealer. Merci Vivien pour ce message. Salut Maxou, ce petit don, aussi modeste qu'il soit, en guise d'excuse pour t'avoir mis un tout petit peu dehors dans la course de DTM au Hungaroring. Blind 74S ou 74S. Le blog de celle qui était en moi après avoir perdu mon P2 s'est exprimé, tout ça. Bref, promis, je vais bosser mon côté nerveux pour la prochaine. Ah, et ce don est aussi parce que tu fais quand même du bon boulot, quand même, j'aime bien. L'ascenseur du YouTube Game t'attend. Évite juste le colossal.godwin façon PewDiePie. Bonne chance pour la suite. Eh bien, merci à toi, mon ami. Merci pour ce message. C'est super sympa. Ça va me permettre de faire pérenniser la chaîne. C'est cool. En tout cas, avec ce soir, je vais pouvoir lever beaucoup de doutes et d'incertitudes sur les projets et tout. C'est super cool. Ouais. Et refaites des dons, du coup. Le mec remet le lien des dons. Mais c'est... Vous savez quoi? Je crois que je vais faire une vidéo 20 000 abonnés. Je vais prendre des feuilles et je vais faire ça. Je plaisante évidemment. Bon allez, revenons aux choses qui fâchent.
On est donc sur ce superbe jeu qui est Astletto Calls, alors qu'Emeric vient de bailler sans de nouveau oublier de couper son micro. Genre, c'est la bonne mâchoire du qui vous fait mal là, tu sais, quand tu déboîtes. Bon alors. En fait, c'est à chaque fois que j'envoie le mail de confirmation d'achat du ticket. Voilà. Alors écoutez, qu'est-ce qu'on a pour se mettre sous la dent ? On a du GT3 au Red Bull Ring. Et ils sont 4. Écoutez, le Red Bull Ring, il est de base ou c'est un DLC ? Pour moi, il est de base. Hein. Joker. Vous sentez ce doute qui plane, genre... T'as reçu le mail pour le dossier ou pas ? Non, Bah écoutez... Moi, je vois aussi du... Je me dis que pour moi, c'est bon. Le Vivaio Racing GT3 serveur. Je pars du principe que les gens ont le jeu. Donc, je vais vous mettre sur le chat. Alors, je vais vous mettre aussi sur Assetto Corsa. Vous l'avez en bas à droite si vous avez la haute qualité. Si pas, le site s'appelle... Enfin, le serveur, c'est Vivaio... Partaillou. Vivaio Racing GT3 serveur 15, on cite les inconnus parce qu'une référence des inconnus c'est toujours bon. Voilà, donc je vous ai mis le serveur, c'est sur le Red Bull Ring avec du GT3, c'est un DLC du Red Pack. Bon, écoutez, à un moment donné, ce jeu, y a rien dedans. Oh. À Valentin qui nous dit, Maxo, je suis triste de t'annoncer que je dois quitter le live après presque 6 heures. Eh oui, attendez. Oui. Oh la vache, oui. Continue comme ça, c'est génial. N'oublie pas le sel et bisous les michtos. Eh oui, et appelez les headdecks au cas où. On n'y va pas, c'est DLC. Akito qui van. Tu le mérites, Maxou. Vu tout le travail que tu fais sur les chaînes, c'est normal. Sur la chaîne, c'est normal que tu aies autant d'abonnés et de dons. D'abonnés peut-être, de dons. Moi, je trouverais ça jamais normal, tu vois. Ah, Assetto Corsa qui vient de. Ah là là, c'est terrible. C'est... J'ai fait autant de live que de route. Ah. Pardon. Alors, est-ce qu'on a... On a Pesca qui est là, avec on est une Audi R8. Comme quoi tout arrive. Arrête. Arrête, mon dieu. Alors, on a Destro qui est là. On a fait des blagues idiomes sur le coup de souci. On a quelqu'un que, visiblement, je ne sais pas, c'était, il y a Simon Clayton. Simon Clayton. Alors, si vous ne connaissez pas Simon Clayton, c'est un pilote du championnat e-sport WTCC qui a un très très bon niveau. Andy Wheeler est là. Ah, il y a Cole Trickle, ça va, il y a quand même quelques abonnés. Il y a Pesca. Écoutez, je ne vais pas être méchant, mais je vais vous dire tout de suite ce qui se passe. Premièrement, on sait qu'il n'y a plus de temps pour les qualifs, lol. Je vais vous dire tout de suite, il y a un petit truc qui me dérange en fait, c'est que je ne peux pas vous donner toutes les informations... pour savoir quel jeu, enfin quel serveur est dispo. Malheureusement, on va être obligé à un moment donné de choisir un serveur, sinon on va jamais rouler, parce que entre les gens du live qui n'ont pas forcément le serveur et ensuite ceux qui n'ont pas forcément le contenu, pardon, et ceux qui ont le contenu mais qui ne peuvent pas jouer, etc., ça commence à faire beaucoup de si. Donc pour éviter un peu tous ces soucis, on s'est dit que finalement on va quand même se décider à choisir un des serveurs, même si tout le monde ne peut pas rouler, je suis désolé. On va essayer de se contenter quand même de se mettre ensemble sur ce meeting. Alors j'ai pas vu par contre combien de tours il y avait. Est-ce qu'on peut avoir l'information? Une pensée pour Zoltan et sa PLS d'ailleurs. Ouais, une course de 7 tours. Ouais, c'est ça. Une course de 7 tours. <C'est les couilles. rire> Pardon. Salut. Zozo. Oui, donc la fin des qualifs. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est It is time, comme dirait. C'est la qualif de votre vie. Il y a Robin Nathan, il y a Destro, donc ils sont là en français. Il y a Nial, il y a Matt Dector, il y a Hervé. Ah, Hervé Lecomte, qui est venu, le pilote de la Porsche Cup, qui doit sûrement bien connaître la maison. Vu que c'est ici qu'on avait parcouru la première manche, je pense qu'il était déjà membre de la compétition. Alors, faites un Tipeee pour Giggs, les gars. On se fait un Maxou Giggs Hydro sur F1 2017. Avec plaisir, mes amis. Le mec qui engueule, c'est sans abonnés sur le live, pétage de câble. Bon les gars, vous m'emmerdez. Je déconne. Taisez-vous. Oh là là. Bon écoutez, la qualif est terminée. Ah, salut Ghibli Frost, du coup, sur le chat. Good, hein. Ah, qu'est-ce qu'il y a quoi ? Emeric, le parvenu incroyable. Oh là là. T'as reçu les photos, Emeric ? Hein ?
T'as reçu le sel. On croit en moi à 2h23, nous dit Nicolas. Oui, bah en 2h24, je pense qu'il n'y a plus grand monde du coup. Salut tout le monde, et oui, il est 2h et je débarque. Salut Pic Neuro. Tu m'annonces Pic and Roll, pardon. T'arrives sur Terre, je te. Pic and Roll, pardon. C'était le départ le moins précis du monde. Alors évidemment, le son du moteur. Ça va derrière le son. T'as reçu les photos. N'hésitez pas à vous abonner. Faites des dons. Et percutez-moi au deuxième virage en tout cas. Hein. N'hésitez pas, hein, toujours un plaisir. Hein. Ça va, on t'entend, on va prendre bien. Merci Emric. Je peux pas en dire autant. Hein. Jérôme. Ah, tu m'entends mal? Ah, tu m'entends mal? Si, si, ça va, je vous entends. Un peu de loin avec le moteur de la Porsche. Pensez pour le fond de Secure Pack. Oh, alors, oui. Qui était-ce en... Alors... Oh. C'est la Porsche que t'as mis face à toi, hein, tout à l'envers, que t'as pas coupé. Ah la vache. Finalement, on a Nicolas qui est arrivé avec son camion. Qui était en live. Qui regardait en live tout à l'heure, depuis son camion. À 4h20, oh, il est arrivé. Ah, Nicolas, il dit à 4h20, je suis arrivé en destination. Je sais pas si on tiendra jusqu'à 5h du matin, hein, pour 2h04. Tu vois Max le McLaren qui t'a dépassé par la droite, à droite après le crash? Ouais. Ah, c'était lui. Qui ça? T'as défoncé. Oui, oui, je sais. C'est pour ça que je me suis occupé de lui dans le troisième secteur, tu vois. Ah. Ah oui, d'accord. Et après, j'irai voir le pseudo et si c'est celui que je pense, ça me rassure parce que je sais très bien de qui il s'agit. Hein? Quoi? Qui? Tu te souviens du pseudo avec le nom d'un cirque américain dedans? Ouais. Lol. Maxou Spinner, effectivement. Les enfants, le Phone Seeker Pack. Hein. En tout cas, ça réveille, nous dit-tu. Effectivement. Dit-tu, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Merci, moi. C'était dans Gaston, la gaffe. Rontitu. Ah non, c'est Rontitu. L'agent Lontarin. Et ma maman qui me dit arrête de jurer. Oh. Ah mais écoutez ce son quoi. On suppose qu'il est à gauche du coup. Ah, drapeau jaune. Oui parce qu'ils sont. Ils sont les deux cylindres, alors Dieu. Vous savez que c'est pas la bagarre de ouf, hein, ils sont des pas à trois de front, hein. C'est dingue. Par contre, l'angle mort, je souffre, là. Aïe, aïe, terrible. Le sous-virage de la Porsche. Oh là là, merci. En tout cas, merci. Vous avez entendu en live, mâchoire se déglinguer. Tomber sur ses genoux. J'ai fait l'homme sage, j'ai pas envoyé de la soirée, ça m'aurait fait un malheur. J'aurais carton. Aimerait que l'enfant sage, ce qui paraît. Ah, il faut savoir. Et c'est la belle bagarre, hein. Ah, magnifique avec la Porsche. Ah, tu c'est la belle bagarre, hein. T'as fini de te foutre de moi, oui. Oh, bien joué, Jimmy. Very Jimmy. Oh, c'est ma faute. Oh, ça se touche, incroyable. Je crois que c'est moi qui ai un peu trop fermé la porte. C'est possible. Désolé, mon mauvais. My bad, sorry, my bad man. Ah pardon, j'ai pas couché tout au-dessus. Y'a un signe. Non, y'a un signe, c'est. It's my first wheel, so I'm racing. Ah, on l'a pas encore vu celle-là. Oh là là, vous allez voir. Méchant, je t'ai vu. Y'a des vidéos qui vont arriver d'ailleurs demain sur iRacing. C'est de l'IndyCar à Charlotte. Et je crois que vous allez aimer le résultat. Enfin, demain, dans moins de 12 heures, lol. En 10 heures, exactement. Tu es méchant. T'es ému. J'étais ému. J'excuse pas tout.
l'eau là. Maxence, il a raison sur le chat. Hein. Magnifique le son de la. Avec la lampe, qui que tu sois, tu es un peu. Ah non, mais il a raison, Emeric. Il y a un gars sur le chat. Attends, je vais trouver son nom parce que là, c'est un peu la complicance. Il y a Mikawel qui nous dit que c'était pas Lontara qui disait mon titre, juste c'était Prunel, le patron de Gaston. Le collègue. Le collègue, oui, pardon. Enfin, le. Ouais, le. Il était assez costaud, mec. Edouard, retourne play to Project Cars, ouais. Ouais, les Picard à Charlotte. Non, les Picard de Charlotte. Je promets que si tu me retouches dessus, et je pile. T'es aussi en planche en plus. Ah non, je suis pas en planche, je suis en Lamborghini. Et enfin non, je suis en McLaren, pardon. Je suis en McLaren et il y a un mec en Lamborghini qui n'arrête pas de me tasser. Ah, et la Z4 VDS est dans le bac à gravier. Mais... J'ai tellement de... J'étais en bagarre avec une Porsche, j'ai une Mercedes qui est partie de loin. Le sous-virage du moteur arrière, lol. Un gars, enfin, c'est sous-virage, c'est sûr. Mais avec le son de cette voiture est absolument génial. Avant, je trouvais dommage toutes ces sorties de route en live qui nous y réalisent. Puis j'ai vu les essais de Bakou, c'était vrai. Ouais, effectivement, les essais de Bakou, ça a été compliqué. Si vous vouliez former un commissaire, fallait le mettre à Bakou hier matin. Que c'était dur. Ils sont 13 drapeaux jaunes, 2 drapeaux rouges, quand même. Et Pastor n'était pas engagé. Mais s'il y avait Pastor, il y aurait eu 3 drapeaux. Ah oui, les Porsche Super Cup en vrai. Ah, j'ai cru qu'il allait parler de la RSR, j'allais dire. Parce que c'est les RSR que tu roules là, c'est pas les Porsche Cup. Non, c'est la, ouais, la RSR 2017. Moi, je suis déçu, je les entends pas, là-dessus, je les entends pas. La Porsche Super Cup, moi j'avais bien aimé en 2012, l'ancienne. Elle était très très sympa en termes de son. Elle sifflait plus. De toute façon, quoi qu'il arrive, moi le son d'un 6 à plat, moi. Ça fait. Ça réveille Robert, hein. C'est... On passe à 4. Hein. Hein. Ah mais je vous rassure, je suis pas un fan de Porsche. Mais... Je vous rassure comme si c'était grave, tu sais. Non mais, en étant fan de Ferrari, je critique aussi Ferrari pour l'histoire des turbos. Je suis pas... Bah ça va, t'es pas arrivé avec Apollo Porsche chez Ferrari, toi. Parce qu'il y en a, il y en a avec Apollo Ford ou Wake chez Ferrari, Roger F. Corse. Salut, ça va, c'est pour voir la fin de la course. Là, le Polo, c'est rien, c'est vos concurrents. Heureusement que j'avais mon pull quand même. Si t'avais pas ton pull, je me prenais une clé à cliquer dans le. Pareil, même que ces personnes-là ont 18 000 abonnés, mais après, juste ça. Tout ça pour vous faire un vlog. Je prends des risques pour mes abonnés. Alors, pose-bleu. Et puis à la fin, on a un câlin. Oh oui, elle est belle. Oui, oui, on a eu un câlin. Un câlin de Sapeur. Ah oui, Calan Sunbird à 2h du matin. Bonne nuit, Tristan. Bonne nuit. Il nous a dit, bon bah, j'ai faim, je vais manger maintenant. Emeric, un petit KFC. Chiche. Chiche, viens me l'apporter en live. Ah, c'est fermé, 2h33. Il a quand même regardé l'heure. C'est pas genre c'est courant, il est tard, c'est... Non, regardez l'heure, on sait jamais. Y'a pas d'heure pour le petit KFC. Y'a pas d'heure pour manger. On parle du monsieur qui va prendre du fromage qui pue dans la voiture pour remonter. Yes. Arrête! La fonte d'Ambert, c'est chez moi ça. Oh mon dieu. Si vous êtes dans le nord de la France, essayez de tester de la boulette d'Aven. Je vais plastifier ma glacière. Non, plastifie ta voiture. Ouais, aussi. Les sièges et tout, au cas où ils renversent. Il m'a quand même posé la question, je peux voir l'autre, tiens, j'ai fait pas. Ah, Brexa qui nous dit Hello de Thaïlande où le jour se lève. Ah ben GG. Namasté. Namasté.
Je suis fatigué de ces gens-là, vous savez. Faites des dons. Ah non, non. Arrêtez tout, là. Je ne suis plus responsable de ce pugilat. Il doit qu'il t'y aille maintenant. Si tout le monde est derrière moi, comme la barre, c'est fort. Ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle plus, ça me rappellerait pas la nuit des abonnés précédentes. Et c'est les serveurs, Emric, hein, on s'en rappelle évidemment. C'est ce que Solidarius il a dit. J'ai un moustique! Je suis rentré dans la BM devant moi parce que j'avais un moustique sur le nez. Ça me rappelle aussi un autre truc, ça. Mais dans le dernier tour, non, vous êtes sérieux, saleté de mouche! Faites des dons pour du Vaponin! Alors, faites des dons pour acheter une. La course. Faites des dons pour acheter une raquette de tennis électrique pour un. Maxou va récupérer une position de plus. Ah, pourquoi? Ah oui, le drapeau jaune qui se présente à moi. Ah bah non. La course. Un jour j'irai mourir en Corse. Non. Ah, je suis déçu de perdre cette place à cause de la mouche qui est venue sur ma main. J'ai la famille qui est venue. On salue Francky, hein, le Corse. C'est bon, il n'y a plus des Francky en Corse. Et Franconen. Ah oui. Et Francky. C'est la même personne. Francky Vincent. C'est le mec que je viens de désigner avant lui, le Corse. Pardon, excusez-moi, mais il est tard. Comme une odeur de Corvette vs Aston, cette action dans le dernier tour, Maxou. Effectivement, merci. Le parapluie. Le parapluie pour ce message. Emric qui vient de nous dire en privé, mais je voulais vous le dire tout haut. Je vais peut-être créer une chaîne YouTube finalement. Il est vraiment fatigué alors. Non, parce que c'est moche de faire ça rien que pour l'argent. Voilà. Pareil à certains, qui n'est pas toi forcément, hein, je précise. Voilà, voilà. Merci pour l'argent. On quitte la session, les amis ? Oui, on va sur dire. Alors, je me suis fait mettre dehors à cause d'une mouche. Ce qu'on me dit, Maxou, pourquoi t'es passé de P5 à P9 ? Abonnez-vous et faites des dons. Bon, du coup, on quitte à cette heure ou ? Non, non, le mec en veut plus. On quitte tout ? Non, on quitte la session. Non, parce que là, assez tôt, Dirt 4... Est-ce que vous voulez déjà qu'on passe sur Dirt 4? Oh, non, je m'en fiche, moi. Moi, je dors, donc fais ce que vous voulez. Emric, il vient de lancer la deuxième perfusion. Je tiens pour vous et les abonnés de Maxou, quand même. Hein. Oh là là, l'effort du type. Et il a se tapé quoi, 6 heures de route au total, 6-7 heures? 6 heures de route, ouais. Enfin 7 heures avec les bouchons. Merci beaucoup à Edouard Gérard, qui en plus d'être extrêmement drôle sur le chat, nous a fait une donation. Et il m'a, mon cher Andy, mis ce magnifique message. Pour que tu manges une frite au nez d'Andy, mon cher Maxou. Lol. Oh là 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 là. Vous tous là, continuez à faire des noms comme ça et je vous assure que je vais pas être content en un autre. Le lien est dans la description. Ah, du coup... J'ai le front contre ma tête. De rien, Rémi, c'est pas grave. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, on va encore en faire une, hein, sur Assetto, comme ça on aura fait deux cours sur Assetto, et après on ira sur Dirt 4 avant qu'Andy décède de crampe d'estomac. Ah non, moi, je vais bien, décéder. Mon cher SkyEWT, j'adore ta photo. Julien, tu peux nous rejoindre, bien sûr. Un Mirage 2000, j'adore. J'ai eu la chance de grimper dans cet avion. Non, non, on n'aura pas d'Air Factor 2 ce soir. J'ai remis le chat en haut. Miaou. Alors cette blague c'est non. Hein. Tu es... En parlant de chat, vis ma vie. Tu as vu la photo que je t'ai envoyée, mon cher Maxou? Non. De ce que mon chat m'a ramené? Ah oui. Voilà. Le bébé du voisin. typical. Oh c'est mignon. Dohan qui dit Andy te laisse pas offenser, t'es une crème, n'écoute pas les rageux. Alors je vais donc t'envoyer mon lien pour mes dons. Mec, tu peux... Ça se trouve depuis tout à l'heure il passe pas le bon, tu sais. C'est... Vie, ah ouais. En fait, depuis tout à l'heure, j'essaye de passer le mien, mais ça marche pas. C'est dommage. Il y a de la Formulata Atus, 6 tours sur Imola. Ah bah, c'est ce qu'a dit Edouard. Ah ben, Edouard, j'ai un PayPal, mais je ne me permettrai jamais de faire quelque chose comme ça.
Même si je touche pas un centime. Même si pour la vanne. Ah, tu l'as pris sur DLC. Ben, j'ai pris ce jeu qui est gratuit et après j'ai acheté le Mirage. Mais j'ai pété un plomb parce que je connais l'anglais, mais pas à ce point-là, c'est trop technique. Ouais, à part It's My First Win et iRacing. Sur iRacing. Voilà. Ce qui est très drôle, c'est que tu peux surtout lui dire. Tu peux surtout lui dire. J'ai tout compris pour faire décoller l'avion, c'est juste le Emergency Alert que j'ai pas suivi. Je savais pas ce que ça voulait dire. C'est-à-dire quoi, Emergency? C'est rigolo comme mot. C'est Emergency. En plus, quand tu joues à ce jeu, DSC, enfin des DCS, que t'achètes le Mirage, c'est un français qui parle anglais qui t'explique comment faire fonctionner la... So now you have to take the brake on the right corner of the plane, and don't forget to pull out the right button next to the photo de la femme à poil. Ouais, donc à la limite, un anglais qui parle anglais, ça va, un américain, je comprends que dalle, alors un français qui parle anglais... Sur iRacing. Voilà. J'étais ému. Ah mais quand je suis excité, content, parce que j'étais content, parce que je l'ai gagné, voilà. J'ai vomi. J'ai bugué. C'est un fameux trauma, fin comme un oiseau. Iseo, l'apéro. Moi je parle anglais. Ah, yes. Alors qu'on me klaxonne. Tel un bolo. Tel un bolo. Alors, je tiens à dire que la phrase « Vous kiffez le live », elle vient pas de moi. Eh ben, j'assume, non. Voilà. On m'a dit, plutôt que de chercher des trucs, prends ça, je fais « Ok ». Alors, Sky qui dit « Il se passe quoi si je tiens sur le gonflé sous le siège ?» Parce que pour ceux qui connaissent, les avions, quand tu... Enfin, si tu tires en dessous, c'est éjectable. Et les Américains, eux, ils ont un système au-dessus de la tête pour protéger la visée. Voilà, voilà. Raconte ma vie de passionné. La semaine prochaine, comment monter dans un tank et faire du drift avec. Jusqu'au KFC et aller au drive. J'en connais un qui va en voir des chars bientôt. Si tout se passe bien. Franck, je vais au KFC avec mon char Leclerc. Ça tourne mal au drive. Je t'ai expliqué, Dominos. Oui. Le mec en service il commande des pizzas sur l'autoroute avec son char, ouais, ça on sait. Ouais. Non, pas sur l'autoroute, on a pas le droit à côté. Ah oui, non, sur la bande d'arrêt d'urgence. Pas grave. Bah, parce qu'en roulant, c'est un peu plus dangereux. Dans un champ. Bah, le mec, quand il nous a dit, mais comment je vais vous reconnaître? T'inquiète pas, tu vas nous voir. Alors, petit moment de nostalgie. Le avec... mec va nous sortir que la première vidéo qu'il a fait c'était... Oh mais tais-toi. Abonnez-vous. Toi ta première vidéo t'as supprimé ta chaîne parce que t'avais honte. Attends. Tony 68340, on en parle. Chaîne de drague humoristique. Merci de pas avoir dit les bons chiffres. Bah oui, je suis pas un enfoiré non plus. Ah tu parles de 63480. Ah oui, ça doit être ça ouais. Ça c'est les bons chiffres par contre. Et de me voir. Parce que autant moi pour la vanne, j'ai des chiffres au hasard, tu vois. Autant Emmerich c'est « Ah, t'habites pas au 17 de la rue ?» Non, Emmerich. Non, ça n'en est pas. Ça y est, on a perdu Andy. Je te promets, c'est de me voir, Andy. C'est pas vraiment le bon chiffre, en plus. Ah, il va avoir plus d'abonnés que sur le quoi simulation, il va être mal. Enfin, sur... chaîne Andy Wheeler. Ah mais il est là, il va pas s'en remettre. Oh je me plante parce que je l'ai souffert. Oh my god. Bah abonnez-vous. Oh, hein. Incroyable. Je suis arrivé à l'armée ou dans le civil? Emmerich il va se faire des potes qui collectionnent les chars. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il a arrêté en plein milieu de la trage. Rien. Et il me restait juste un tour pour faire un tour de qualif. On n'aura pas le temps, il reste 48 secondes. Ah, et là, c'est moi qui suis en plein milieu. Ouais, ma faute. Bah, j'essaie de repartir, mais c'est compliqué. Le mauvais de Maxou. Prank, je donne l'ancienne chaîne YouTube de Andy Wheeler, ça tourne mal. Je peux me la péter en disant que j'ai conduit un truc à 1500 chevaux. Me vois. Ah, et ben moi j'ai présenté un truc en vidéo de 2398 chevaux.
C'était peut-être pas forcément les bons chiffres, mais... Alors on rappelle, hein, abonnez-vous, pour cette course de 6 tours. Je... 6 tours, je pense que je vais quand même passer à un niveau intéressant de... De sel. 22 litres, ce serait suffisant, vous pensez? Alors, je vais me bouger. Sur Assetto, je vais me bouger parce que, visiblement, c'est compliqué. Par contre, je voudrais retirer deux trucs qui sont très dérangeants, en fait. C'est ça, voilà. Alors, je vais aller me connecter sur mon site YouTube. C'est quoi ce truc, Maxime? T'as une bonne bouille depuis ta sortie de prison. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Mais... Alors, Max... Alors, Emric, je te remercie, puisque voilà, il y a des gens qui vont s'abonner à mon ancienne chaîne YouTube, je te remercie. T'es sérieux? Oh là là. Si vous voulez vous abonner à quelque chose, abonnez-vous à la nouvelle, pas à l'ancienne. Non mais lol. Ah, surtout que en plus, c'est. Oh, c'est le cringe en plus, mais tellement. Il faut qu'Emric il vienne en live quand il est fatigué parce que c'est marrant, c'est trop marrant. Il est rigolo le gros. C'est drôle. Je suis pas. Oh god, non. Bien, c'est ça que tu cherches, non? T'es pas bien, je crois. Ah, je suis pas très bien là. Si vous pouvez. Allez voir la vidéo, pause, YouTube pause, c'est la meilleure dans le team. Ok, Emric vient donc d'officiellement craquer son slip. Le mec il est là en mode popopo, j'arrête YouTube. Mais arrête Emric, on est en live, merde. Pardon. Ce live part en cacahuète, pas du tout. C'est une illusion. J'ai deux abonnés ennemis. Je préviens mes parents que j'arrête YouTube en gros. Oh là là. T'as pris du pain, on dit. Ah, parce que là, le sel. Oh mon dieu. Je suis dessus en train de regarder. Pardon. Eh, Marianne qui s'abonnait, j'ai vu. You can see me. Oh là là, je suis. Ah, c'est tellement sale. Oh non. Non mais la nouvelle est mieux. Il y a de la 480p sur la nouvelle chaîne. C'est quand même vachement mieux que l'ancien 320p. La mauvaise nouvelle, oui. Rizzi Competition qui annonce qu'ils ne feront pas les trois prochaines courses en IMCA. Voilà, voilà. Merci, à la P2. Merci Vincent, pas Capillaire? C'est comment? Non, Capillaire, c'est pas celui qui a fait la tout à ça. Ouais. Ce live devient glauque, j'avoue. C'est pas faux. Les rires contagieux, eh ouais. Ce sont des mecs complètement défoncés à l'acide, rien, juste des sim racers. Évidemment, faites des dons. Hein. Ah putain. Et là, on dit qu'il va faire le regret d'essayer de mettre le lien avant le départ. Oh, il l'a fait! Oh, il est beau! Je suis content parce que je suis sûr qu'il y en a qui ils ont eu le petit rictus là, quand on a rigolé. Oh, après une journée de merde, c'est fait du bien. Alors, j'ai trouvé de la motricité. Je sais pas où. Mathieu Vaxivière. C'était Mathieu Vaxivière. Ah désolé, j'ai essayé de faire au mieux mais là. Le moment où j'appelle le sel. C'est le Ritzel Competition. Je crois que Max à ce moment-là ils ont plus d'oreilles dans leur casque. Jamais d'oreilles dans le casque. Tu sais, depuis que t'es passé au stade de 2 grammes dans le sang dans ta voix, je t'ai mis un petit moins 5 dB sur le Discord, c'est passé crème, hein. Et bien, moi? Ouais. Moi, je crie? Non, je sais quoi. Ah. J'ai mal au stigmatique, moi j'ai mal à la prochaine chaîne YouTube, tout de suite, là. Voilà. Et bah, ça fait plaisir, alors, c'est à rigoler, ça.
celle-là, elle est belle. Toi-même, tu selles. Ah. What you sell? What you sell? Oh là là, la photo de Thierry Van Dalen. Ben. Emmerich, on est en live, hein. Ah, mais c'est des photos de son temps. Oh, la photo de mon ex-femme, incroyable. Mais non, bah non, c'est... Tu es, tu es l'ex-mari de Thierry Van Dalen, mais on nous a rien dit. Deux grammes dans chaque œil, c'est un peu ça, ouais. Avait une race et moi j'avais une trajectoire, mais ça c'était avant. Le disciple a fait l'expérience sociale. Oh, t'as pas le droit. J'ai pas entendu et je veux pas réentendre. Oh, j'aime bien. J'aime bien au titre. Oh la vache, c'est dur. Je ne vois plus la route avec mon fou rire. Alors, le problème, c'est que Nicolas, si tu te tues, ce serait un peu gênant. Parce que j'ai pas envie d'avoir la mort sur la conscience. Déjà qu'ils ne se pas retrouver le bébé dans le congélateur. Oh, pardon. Ça va forcément. Oups. Déjà que le petit de la voisine, il ne pas retrouver dans le congélateur. Oups, prank. Kenny. Pardon. Prank. Il croit que c'est des glaces, en fait, c'est le bébé de la voisine. Ça tourne mal. Prank, l'apéro tour de vinaigre. Explication. Oh. C'est pas ce que tu veux manger, hein. C'est bébé, l'autodérision, c'est un sport. Oui, il y en a certains qui feraient bien de faire un peu d'essai libre. Du sol, il y a rien. Même une saison complète. Je me permettrais de dire mon propos. Alors que Pépé craque complètement, personne ne lit ça tout haut. Je suis désolé, je suis obligé. Non. Le mec qui s'en bat les couilles. Allez, c'est mon dernier live break. J'arrête YouTube après ça. Ah merde, Flenor. Mais comment on fait? Ah voilà, c'est bon. Il a mis modo, tu sais. Ah non, fallait pas le supprimer, fallait juste pas le lire en fait. Justement, je l'ai remis. Bah non, je peux pas. Ah, j'ai des modos stagiaires, mais c'est pas possible. Postulez d'ailleurs, hein, si vous voulez être modo. Non, j'ai pas. Okay. Après le retour de Temano au bout de 6 mois et demi. Non, désolé, Pépé. Mais non, tu l'as pas bloqué. Ah. Oh, attends. Tu me. Mon dieu, j'ai adhéré à la suite. Mais oui. Ah, fallait être sur le live, tant pis. A l'air de se taper, ça a l'air rigolo. Alors, la phrase du parapluie est absolument incroyable. C'est pour ça. D'ailleurs, le fait de dire la phrase du parapluie, c'est déjà complètement fou. Oh non. Ça aurait marché avec Rio Arianto, mais... Ah. Si on est belge, l'autodérision est un don inné. Oui, oh oui. Bah non, c'est pas comme toi où un mec sur deux sur le live est un modo entre non. Moi, Emric, Matisse. Mais avec le souci, c'est que la moitié des gens qui viennent m'emmerder, ils me connaissent. Donc, ça s'appelle Maurice. T'es Mano qui est dans le coma maintenant. Non, mais non. Oh, mais encore non! Je vous demande du sel pour la 8, merci. Mais est-ce que ce monde est sérieux? Je peux jouer à la guitare en fait.
Non, 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 non. Les droits d'hôtel incroyables. Here we are. Sortie de piste incroyable, non? Oh, tu t'es mangé une bagnole. Oh là là. Oh, le pauvre conducteur. Oh, terrible. Ça me rappelle un pilote. La descente de Piratella, elle a failli me tuer, mais... Jusqu'à Aqua Minerali, j'avais plus un poil de sec. Jamais été les gens. Et ma vie. Aqua Minerali, poil de sec. Je propose une médaille pour cette blague. Maxou, il semblerait que tu aies de te faire saler des terres. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'accent qui ressort. Un petit côté Helmut Fritz, très sympa. N'hésite pas à faire des dons. Oh, le mec, il a quitté la course pour... Ah, le sel de l'Otari maintenant. Qui a mis ça? C'était en haut d'un seul. C'est-à-dire qu'il kick Max au pilote. Je vous déteste. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. Il cut de chicane, il cut de chicane. Excusez-moi, j'ai fait de Vettel. Et il est bien. Franck, on trafique la Toyota de Kobayashi, ça tombe très mal. Tu veux dire que tu l'éteins, tu la redémarres, tu l'éteins, tu la redémarres, et voilà, elle est buggée. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est ce qui est vraiment arrivé. C'est ce qui est vraiment arrivé. Hein. Kobayashi a démarré et éteint la voiture 3 fois. Oh. Elle a pas aimé. Ouais, mais le site, il se chargeait pas, il a PF5, et puis il a redémarré le PC. Toulou, toulou. La base virale VPS, vous dites d'aller vous faire voir. Tout ça parce que t'as un beau lot qui est venu avec sa compu orange, là. Salut donc Vincent Capillaire. Si jamais on regarde ce live. C'est Capillaire qui, à ce moment, n'a plus de cheveux. Ouais, il s'est mort. Je suis vraiment fier de cette blague. Je m'excuse auprès de Vincent Capillaire. Il s'en est excusé de tout l'affaire avec l'autre. T'as rien à foutre là, quoi. Et de tous les choses. Pour votre information, il y a Yann Erlaché qui roule en WTCC, le français qui me suit sur Twitter. Parfois. Nice. Si un jour il veut voir un. Je vais juste dire comme ça au 9ème qui vient de passer la ligne, qu'il reste un tour. Et que donc, Franck, il reste un tour. Franck, je dis à Kobayashi qu'il reste un tour quand il passe la ligne, lol. En même temps qu'il mettra ma soie LMP, le mec il a pris les doigts, la base virale. Oh non, mais sérieux. J'imagine la voiture, elle s'est date, c'est bleu. Non, mais ça c'est scandaleux quoi. Bah, pour petite info, Microsoft participe... Non mais c'est une blague. En MotoGP, non c'est vrai, on est Max. Allez. Oh. Pénalité slowdown de 5 secondes. Vous voyez pourquoi je déteste Assetto Corsa? Oui. Pour ça. De toute façon, je vais sûrement être disqualifié alors que je suis P4 parce que j'ai pas ralenti. Bon, allez. Justement,
baleine, merci Henri. Ça fait comme... Est-ce que je vais la voir? Ça m'étonnerait. Maxence Minedao qui dit ça fait comme les box, tu les débranches, remanches trois fois, elle plante. En fait, ça, la Toyota, c'est un peu la Freebox du mec. Oh c'est là, pas beau. J'aime beaucoup l'humour, quoi. Oh là là. Alors, Max, ça fait quoi c'est faire des passer avant la ligne d'arrivée? Bah, c'est un jeu de fou quand même. Attends, mais. Ne remplis pas ta salière si vite. Nous allons ensuite sur Dirt 4. Ah je pourrais vous suivre là, je pourrais plus vous suivre là, je... Ah c'est bon, il était dans le coffret. On t'emmène en forêt. Oh le parapluie tellement puissant. Bon ben, deux belles courses hein, qui font regretter le fait de ne pas avoir tout de suite été sur Assetto Corsa. Mais bon. Ah, tu parles de la Vaillante qui s'est fait disqualifier post-course. Qui ont dit... L'Astroturf. Y'a beaucoup d'Astroturf. C'est l'herbe zen des digues. J'adore la funk. Ah. Un stand karma pour Andy Wheeler, et oui, effectivement. Je vais peut-être aller fermer ma fenêtre, moi. Non, ne saute pas! Pardon. Je peux faire une comme ça, Andy. Je suis à deux doigts de sauter. Écoutez, est-ce qu'on dit au revoir à Emmerich maintenant? Je pense. Eh bien, nous allons tous remercier Emmerich pour sa bonne humeur avec un tube de l'été. Non, pardon. Putain, Crazy Frog 2005, RPZ. Oh là là. Oh merde, putain, j'ai fait faire tomber mon ventilateur. Voilà, le live. Entre guillemets. Le monde du live. Mais de rien, PSK pour la 4ème place, j'avais une pénalité à servir. En même temps. Bonne nuit, Hervé, merci d'être venu. Chayad. Un Belge qui fait un accent allemand, c'est très Erasmus tout ça. Bon bah écoutez, vu que le peuple se couche, nous allons passer à Dirt 4 pour le plaisir de SkyWT qui fait « Oh non, pas Dirt !» Attends, je viens de lire le parapluie. J'imagine le terreur dans les yeux de dire « Ah, je picole Engine !» Bicoless Engine, Bicoless Engine, effectivement. Bon écoutez, merci beaucoup à Emmerich d'avoir été avec nous ce soir après 17 heures de route. Pour la fin. Je vais vous laisser ma souris sur le chat, ça vous angoisse, j'aime bien. On va faire une pause musicale, une dernière et on se retrouve sur Dirt 4. On va commencer par du rallycross, Andy. Ouais. La seule réponse c'est... Ouais, c'est moi. Donc non, plus sérieusement, je vais préparer la session, donc quand vous voyez que vous pouvez rejoindre, eh bien rejoignez, et faites pas les boulots. Voilà, combien de temps vas-tu passer sur Dirt 4? Eh bien déjà trop. C'est-à-dire 14 secondes avant de le redésinstaller, vu que je l'ai réinstallé à la demande de Maxou Pilote. Tiens bon Maxou, ta santé, pense à ta santé. Une heure, mais c'est une heure de trop. Oh, on va voir, peut-être pas une heure, on va peut-être faire une demi-heure, hein, vous inquiétez mais pas. Non messieurs, il y a un cas, Emmerich, arrêtez. Emmerich, Eglantine, bon, Eglantine. Allez, merci à Pesca, merci à tous ceux qui ont roulé avec nous sur Assetto. On va donc faire la dernière pause de ce live, donc si vous voulez prendre le temps sans rien rater de faire un petit don pendant qu'on est en pause, c'est le dernier moment, après on va conclure après Dirt 4. Si vous voulez jouer avec nous sur Dirt 4 PC, vous pouvez ajouter Andy, qui en plus de vous passer le lien pour nous soutenir, passe également le lien pour le rejoindre sur Steam, l'ajouter en ami, ensuite rejoindre sa session pour être avec nous. On va commencer par du rallycross et ensuite on se retrouvera pour... Allez, on se retrouvera donc pour du rallycross et des spéciales sur Dirt 4. Je sais pas trop ce que ça va donner en live pour le moment, mais voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Bonne nuit tout le monde, merci à tous. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Au revoir pour l'argent. Allez, à dans 5 minutes pour la dernière partie de cette nuit des abonnés. Merci encore d'être quasiment 100. N'hésitez pas à partager ce live si vous avez des potes un petit peu insomniaques pour finir la soirée avec nous sur Dirt 4. A tout de suite. Et bonne nuit à notre ami Emmerich. Salut.
Salut, salut, bisous.